il y a eu d'abord le déroulement complet de la procédure, un avis favorable de l'ADREAL, un avis favorable du CODER, c'est-à-dire tout le dispositif prévu par le Code de l'environnement a été respecté, et j'ai souhaité, avant de signer l'autorisation, présenter ce projet devant le comité de la transparence. Tous les salariés de Lubrizol attendaient ce moment avec impatience, comme vous le savez, puisque ça fait 11 semaines qu'on travaille sur le sujet. Et je pense que nous pouvons redémarrer en toute sécurité. C'est un marché de dupes. Je pense que c'est une solution d'épanage, donc transitoire, et que dans 3-4 ans, l'usine fermera. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation, des habitants de Rouen qui ont l'impression comme s'il y avait quelque chose de caché ou de pas tout à fait avoué, où ils cherchent à défendre l'intérêt économique de l'entreprise et non l'intérêt social de tous les habitants. C'est un problème de santé publique, donc je suis très inquiète, ouais. Qu'il puisse y avoir effectivement des conséquences sur la santé, notamment des cancers.